Des parents d'élèves expulsés par la police. Ils accusent une usine chimique d'empoisonner l'école de leurs enfants. On s'est aperçu que c'était le troisième cas de leucémie dans la rue, ici. En fait, l'autre cas de leucémie est à 20 mètres à la maison à l'angle. En France, plus de 2000 crèches, écoles, collèges ou lycées sont bâtis sur des terrains pollués. Combien sont contaminés ? Qu'on m'explique que cette porte arrête la pollution. Qu'on me l'explique. Nos écoles empoisonnées, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envoyé spécial consacré au scandale des écoles empoisonnées. Vous découvrirez aussi ce soir l'univers incroyable de l'intelligence artificielle avec un robot baptisé Amelia. Comme un humain, elle lit, elle comprend. Nous avons construit une machine qui gomme la frontière entre l'humain et la machine. Les robots sont-ils en train de prendre le pouvoir dans les entreprises, les bureaux, à la maison, au risque de faire disparaître des millions d'emplois? Les robots, ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas de mauvais jours. Ils ne font que travailler. Nous irons enfin au Venezuela, riche en pétrole, mais où la pauvreté et la colère explosent. Reportage exceptionnel dans un pays au bord de la dictature. La santé de nos enfants est-elle menacée lorsqu'ils sont dans la cour de leur école ou en salle de classe? Franchement, c'est une question qu'on ne devrait pas se poser. Et pourtant, vous allez découvrir ce soir une enquête édifiante sur la pollution qui entoure certains établissements scolaires. Ils sont installés à proximité d'usines chimiques ou construits sur d'anciens sites industriels. Il y a 10 ans, un diagnostic national a bien été lancé, mais les résultats sont longtemps restés confidentiels. Nous allons vous révéler que des centaines d'écoles, de collèges, de lycées sont aujourd'hui contaminées à l'arsenic, au mercure ou même par des gaz polluants imperceptibles. Nos écoles empoisonnées, c'est une enquête signée Élise Le Guével, Claire-Marie Denis et Frédéric Prigent. Ils sont exactement à 6 mètres l'un de l'autre. Face à face. L'homme et l'usine. Ce défi du regard dans une guerre des tranchées qui dure depuis 12 ans déjà. Il n'y aura pas de compromis. L'un des deux l'emportera et l'homme veut être celui-là. Ben voilà, là vous avez l'usine, vous avez son toit avec des trous énormes. Tout ça, vous voyez pas très bien, mais c'est réparé au fur et à mesure. Tout ce bardage avant, il n'y était pas. C'est juste parce que derrière, c'est complètement pourri. Donc, ils ont mis un petit bardage en tôle pour qu'on voit pas trop derrière. Là, en face, c'est les trappes où avant, ils dégazaient, ils faisaient tomber de l'acide dans la rue, systématiquement. Il y a des fumées âcres. Il y a des fumées âcres. Vous allez sentir, ça sent une odeur d'acide. Un truc assez âcre, en effet. Ouais. L'usine fabrique des pièces pour de grands groupes aéronautiques et défense. Elle est classée, c'est-à-dire sous surveillance, en raison des produits toxiques qu'elle utilise. Le jour n'est pas encore levé. Nicolas et sa femme Christine rejoignent en catimini quelques dizaines de riverains. Ils se sont donné rendez-vous devant l'usine pour la bloquer. Vous voulez pas faire groupe devant là en fait? Il est 7h30, les premiers salariés arrivent face à un mur. Je vais faire maquette alors. Non mais à un certain moment faut arrêter. Moi la dernière fois j'ai pas été payé, vous avez bloqué 3 jours, le jeudi, j'ai mercredi, j'ai pas été payé. Si les riverains de Montreuil bloquent régulièrement le site depuis quelques semaines, c'est parce qu'une information a fait se lever un vent de colère. «
un cas de leucémie chez un enfant qui fréquente l'école voisine, à quelques mètres de l'usine. Bah là, le début de l'école est là. Vous voyez les manifestants qui sont là, on est à 50 mètres, 40 mètres, 40 mètres. On s'est aperçu que c'était le troisième cas de leucémie dans la rue, ici. En fait, l'autre cas de leucémie est à 20 mètres à la maison à l'angle. Et trois cas de leucémie en 20 ans, c'est beaucoup pour une rue ? C'est beaucoup, surtout si on considère ça sur moins de 100 mètres. Impossible de prouver le lien entre l'usine et la leucémie. La préfecture est d'ailleurs rassurante, analyse à l'appui, et la direction de l'usine se dit aux normes. Les riverains, eux, pointent les anomalies régulières et l'utilisation du chrome 6, une substance interdite par la Commission européenne, sauf en cas de dérogation pour les industriels. Bon, chaque fois, on nous répond par petits pois pour nous embrouiller, pour nous dire non, vous voyez, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, c'est terminé, ces usines-là n'ont plus le droit d'être ici. C'est la grande question. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Face aux blocages successifs, nous allons faire usage de la force. La préfecture a décidé de sévir. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Personnes vont être blessées lors de l'évacuation. Et deux parents emmenés en garde à vue. Vous vous dites peut-être que cela ne concerne que Montreuil. Et pourtant, en France, des dizaines de milliers de sites industriels ont distillé leur poison dans les sols. Plus de 2000 écoles ont été construites à proximité. Nous avons enquêté à Marseille, où une ancienne usine polluée au plomb jouxte l'école du quartier. Qu'on m'explique que cette porte arrête la pollution. Qu'on me l'explique. À Vincennes, où un collège vient d'être évacué en urgence. Il ne faut plus envoyer nos enfants dans ce collège. Je suis désolée, mais une heure de plus, non. Un jour de plus, non. Nous sommes partis à la recherche de ces chefs d'entreprise qui utilisent encore des produits toxiques à proximité des crèches. Cette crèche n'aurait jamais dû être là, déjà. Oui, mais c'est une pollution. Oui, si vous voulez. Mais ça a duré très peu de temps. Et si notre histoire industrielle empoisonnait nos enfants ? La question apparaît pour la première fois, il y a 20 ans. L'annonce d'un nouveau décès par cancer sur l'ancien site de l'usine Kodak de Vincennes. Les parents l'ont appris mardi soir. Une petite fille de 4 ans est morte en novembre dernier d'une tumeur au cerveau. C'est le cinquième cas de cancer chez un enfant. L'usine Kodak a fermé ses portes en 1986. Trois ans plus tard, l'école maternelle de Vincennes est construite sur les 6 hectares de terrain, sans aucune analyse des sols. À l'époque, le scandale médiatique est énorme. L'association Robin des Bois se souvient très bien du séisme provoqué par cette affaire, baptisée les cancers de Vincennes.
Ça a été un détonateur avec quand même 5 ans de crise, 5 ans d'angoisse et de stress psychologique pour des parents qui savent que les enfants sont potentiellement exposés à des pollutions. Donc ça a été un révélateur pour l'opinion publique et puis aussi un électrochoc pour les ministères de l'Éducation nationale, de la Santé et de l'Environnement. L'électrochoc est d'autant plus fort qu'il y a partout en France, depuis la fin des années 50, des Kodak potentiels. En 2007, l'État débloque 50 millions d'euros et veut lancer un plan national de diagnostic unique au monde, comme l'explique cette vidéo officielle. D'autres activités situées en centre-ville, comme les pressings, les menuiseries ou les stations-service, manipulaient elles aussi des produits qui ont pu s'accumuler dans les sols. Il faut repérer crèches, écoles, lycées construits près de ces anciens sites pollués. La liste des établissements s'avère plus longue que prévu. On se retrouve avec à peu près 2000 sites pour lesquels il faut faire des investigations, des diagnostics. Et ça veut dire 2000 écoles sur lesquelles il y a un signal sérieux. Oui. On a un devoir de mémoire, de recherche, d'investigation et, dans certains cas extrêmes, de décontamination totale. Ces usines ont laissé un héritage pesant. Des métaux lourds comme le plomb que les enfants peuvent avaler, mais surtout des polluants volatiles qui peuvent remonter dans les bâtiments et empoisonner l'air des salles de classe. Les écoles ont été classées en 3 catégories. A, pas de problème. Classé B, à surveiller. Classé C, les enfants sont exposés. À quoi ressemble une école classée C? Les parents ont-ils été informés? C'est à Marseille que commence notre enquête. Le quartier de la Madrague, sa douceur de vivre et ses calanques. On en oublierait presque son passé industriel. L'usine de Legrémente a utilisé et déversé des produits toxiques pendant des décennies sur plus de 8 hectares. Et juste à côté du terrain de la friche, avec un mur en commun, les écoles primaires et maternelles du quartier. Pourtant, ces établissements n'avaient pas été retenus pour faire partie du diagnostic. Jusqu'à ce qu'Annie Lévy-Mozikodachi, élue du secteur et médecin, se batte pour qu'elle rejoigne la liste. C'était il y a 2 ans. On était au pied de cette usine avec 2 écoles, école maternelle et élémentaire, et que je ne comprenais pas comment on pouvait m'expliquer que la pollution pouvait être arrêtée par une porte d'école. Je considère aujourd'hui que cette porte qui est derrière nous, il n'y a aucune raison qu'elle m'explique, qu'on m'explique que cette porte arrête la pollution, qu'on me l'explique. Le classement de l'école élémentaire en catégorie C ne l'a pas surprise. Du plomb a été retrouvé en quantité importante dans le jardin de la concierge et des polluants dans l'air de l'école. Depuis, la terre a été changée. La mairie considère que le sujet est clos. Ce n'est pas l'avis d'Annie. Aujourd'hui, on est au début d'une histoire. On n'est pas à la fin d'une histoire en dire, ben voilà, il n'y a plus rien à faire. On change la terre de la jardinerie. On va un peu surveiller le sol et aller circuler, il n'y a rien à voir. Des polluants ont été quantifiés en faible concentration dans l'air à l'intérieur du bâtiment de l'école. Mais moi, en tant que médecin généticien qui m'occupe des femmes enceintes et des grossesses à risque, ça me fait tilt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. La Madrague, c'est l'usine. Et l'usine, c'est la Madrague. Difficile pour les habitants d'imaginer que celle qui a nourri les familles jusqu'en 2009 a peut-être fait du mal.
et pourrait être dangereuse aujourd'hui. Dans le quartier, la pollution n'est pas vraiment un sujet. Et chez les parents d'élèves non plus. Est-ce que vous saviez que l'école de la Madrague avait été diagnostiquée par rapport à la pollution ? Non, du tout. Des sols et de l'air ? Non, j'étais pas au courant. Est-ce que c'est un sujet dont on parle ? On n'en parle pas souvent. On évite. Hein. Voilà. Mais bon, il y a eu des tests qui se sont faits sur l'école. Bon, il n'y a pas de tests, c'est pas très très grave, mais bon, oui. Mais bon, on évite d'en parler. Parce que bah, de toute façon, on le sait qu'à Marseille, la pollution est liée, donc... Après, c'est pas des sujets qu'on parle forcément avec les autres parents. Nous décidons alors de mener une expérience avec quelques parents d'élèves plus sensibilisés que les autres. Alors juste que je vous explique... Ils ont accepté que l'on prélève quelques mèches de cheveux de leurs enfants, à condition que l'on ne filme pas leur visage. Nous ne sommes pas scientifiques, mais notre rôle, c'est de nous dire, on va faire des premiers tests. Ces résultats, s'ils sont positifs, ça montre quoi? Ça montre l'exposition de vos enfants à ces polluants. Nous allons les faire analyser. Alors, on va prendre une mèche de cheveux derrière. En chercher la teneur en plomb, cadmium, mercure, arsenic... Le laboratoire nous a donné des consignes précises. Hop, merci en tout cas. Votre enfant n'a pas eu recours à un traitement capillaire au cours des 3 derniers mois ? 11 enfants en tout ont été testés, maternelle et primaire. Et voilà, autant que possible. Voilà. Hop, je vais vous laisser mettre votre mail en dessous. L'année dernière, j'ai entrepris des démarches pour leur faire faire une analyse de plombémie, une recherche d'analyse sanguine. Mais c'était très compliqué d'avoir les autorisations, des questionnaires à remplir du médecin. Et puis les enfants étaient assez réfractaires à la prise de sang. Donc au final, ça ne s'est pas fait. Mais du coup, d'où mon intérêt aujourd'hui d'avoir les résultats des analyses de cheveux. Oui. Les enfants du quartier ont grandi sur des terres au passif très lourd. Ils ne se rendent pas compte qu'à quelques mètres de leur terrain de jeu, il y a le crassier, l'ancienne décharge de l'usine, encore bourrée d'arsenic, jusqu'à 150 fois la norme. Trois semaines plus tard, nous avons reçu les résultats des 11 prélèvements de cheveux. Nous avons rendez-vous à l'hôpital Nord de Marseille pour montrer ses résultats à Annie Lévy-Mozzi-Conacci. Bonjour docteur. Alors ça, en effet, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un indice réel qui est apporté par cette étude. Voilà. Elle concerne un échantillonnage de 11 enfants et sur les 11, 10 ont déjà une forte imprégnation de plomb dans leurs cheveux. Et on voit même sur ces échantillons que en dehors du plomb, il y a quand même aussi une imprégnation au mercure qu'il va falloir analyser. Mais s'il y avait déjà quelque chose à proposer, c'est une étude d'impact sanitaire dans cette école sur le plomb et sur le mercure. Annie mène des recherches en génétique chez la femme enceinte et le fœtus. Il est pour elle évident que même à très faible dose, ces métaux lourds peuvent être nocifs. Surtout quand on en retrouve plusieurs, ce qu'on appelle... l'effet cocktail. Le cocktail de plusieurs polluants, même à faible dose, est un polluant grave pour la santé. Pour les enfants, les risques d'être exposés à ces métaux, c'est quoi ? Eh bien, il y a des altérations possibles des gènes, du génome, et pour les enfants qui sont exposés, et également pour les adultes qu'ils seront demain, parce qu'on sait aussi que ça peut développer des maladies chroniques chez les futurs adultes que seront ces enfants demain. Ce soir, dans le quartier de la Madrague, en effet, si on compare les parents disponibles sont venus chercher les résultats de leurs enfants. Annie nous accompagne. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, ces enfants ont plus de plomb dans les cheveux qu'une population générale. Voilà ce que cette étude permet de dire. Voilà, c'est quand même quelque chose qui dit, mais attention, là, il faut peut-être faire une vraie étude médicale. Notre expérience sur le cheveu n'est qu'un indice. Voilà.
Tout à fait. Les parents qui ont un doute doivent faire d'autres analyses. On a un impact qui peut être significatif sur les enfants à un âge où ils sont en pleine construction, et donc c'est important de surveiller tout ça. Le seul élément important, c'est le prélèvement sanguin. On peut passer par le médecin généraliste. Oui, moi j'invite plutôt à passer par le médecin généraliste. Voilà. Et en fonction de ce dosage, on verra qu'est-ce qu'il faut. Le médecin saura ce qu'il faut faire par rapport à votre petit. La généticienne réclame aujourd'hui qu'une étude en métaux lourds soit lancée au-delà de l'école, chez tous les enfants du quartier. Nous avons contacté l'Agence régionale de santé, l'ARS. Ils nous ont répondu que les médecins du quartier avaient tous été alertés et qu'aucun cas d'intoxication liée au plomb n'avait été déclaré. Combien y a-t-il d'écoles potentiellement dangereuses ? Les résultats des diagnostics sont restés longtemps confidentiels. Ils sont aujourd'hui publics et ils ne sont pas très bons. Nous avons décortiqué ces résultats. Voici la carte des écoles polluées. Sur plus de 1000 établissements, les écoles classées B à surveiller en orange. Les écoles classées C à risque pour les enfants en rouge. Plus de 50% des écoles testées ont été classées B, 7% classées C. Voici ce qu'on peut lire dans certains diagnostics. Risque, ingestion de terre, fermer l'accès au jardin pédagogique. Des polluants volatiles ont été quantifiés dans l'air. Veillez à aérer les salles de classe. Suite à ces diagnostics, seule une école classée C a été fermée à Beauvais. Dans les autres établissements classés C, quelques travaux sommaires ont été effectués depuis 2013, mais aucune des pollutions. L'association Robin des Bois dénonce une absence de moyens et de priorités politiques. Il y en a certains pour lesquels il faut immédiatement entreprendre des dépollutions ou fermer l'usine, ou fermer l'école, pardon. Le côté ouvrir la fenêtre avant que les enfants rentrent en classe, je veux dire, et l'hiver, alors il fait froid, ben non, aujourd'hui je l'ouvre pas parce que sinon ils vont avoir froid. Ouais. On ne peut pas se permettre d'avoir un nouveau scandale sanitaire. Et là, on s'en approche, on sait qu'il y a un risque d'exposition. C'est encore à Vincennes que le scandale arrive. Ni pollution, ni délocalisation. Une vraie solution. Ce collège n'était pas sur la liste des écoles diagnostiquées. C'est par hasard, à l'occasion de travaux, que des mesures de l'air intérieur ont été faites il y a quelques semaines. Les parents d'élèves viennent d'être alertés. Le collège est pollué. Il doit fermer. Parmi ces visages inquiets, un homme semble mieux renseigné que les autres. Il enseigne la techno au collège. Sébastien Tirloire improvise une leçon de chimie sur le trichloroéthylène, le composé retrouvé dans l'air des classes. C'est public, il n'y a rien à nous cacher. Le trichloroéthylène est en dessous, il est dans les terres, il a pu s'infiltrer. Alors ça dépend de la nature des sols. Et donc ces produits, ils sont en train de dégazer, ça fait 47 ans qu'ils dégazent. Donc d'un côté, on nous dit qu'il n'y a aucun danger pour la santé. Et d'un autre côté, sauf qui peut. Est-ce autre qu'on nous cache les choses? Bah, c'est pour ça. Alors, on peut se poser la question. Certaines, j'espère pas. Oui. Ouais. J'espère pas, mais c'est pas logique. Et pourtant, ils sont très peu de parents à prendre conscience du danger. Ce qui les inquiète et les mobilise, c'est avant tout le déménagement de leurs enfants dans un collège à Vitry. Non mais de toute façon nos enfants ne peuvent pas prendre le RER. Non, c'est une le mien a 10 ans, je ne vais pas prendre le RER, 5 stations, non. Tout seul. On ne veut pas partir de Vincennes. On veut pas partir de Vincennes. On veut pas partir. Ce soir, les autorités ont monté en urgence une réunion publique pour les 600 parents d'élèves. Mais elles n'ont pas voulu l'ouvrir à la presse. Nous décidons de nous y inviter malgré tout. Sans surprise,
les parents attaquent Bill en tête sur le refus du déménagement à Vitry. Ils n'auront plus le temps de travailler chez eux, ils passeront le temps dans les transports. On ne peut pas demander à des enfants de 6e de prendre le RER. Je pense que ce n'est pas acceptable. Je pense que c'est bon. C'est un sujet de santé de vos enfants. Et puis tout à coup, un mot glace l'Assemblée. Le mot « cancer », prononcé par l'Agence régionale de santé. Les taux de trichloroéthylène retrouvés dans l'air de l'école dépassent jusqu'à 100 fois la norme. Ce solvant qui est classé par l'Union européenne comme cancérogène, il est aussi mutagène, il est toxique pour la reproduction et le développement. C'est-à-dire qu'en clair, nos enfants ne doivent plus être exposés à ces solvants. Alors pourquoi ils vont toujours à l'école? Pas d'urgence sanitaire dans la mesure où il n'y a pas besoin d'aller consulter un médecin. Mais cependant, il y a urgence à lever l'exposition de nos enfants à ces solvants. C'est l'histoire industrielle de la ville qui remonte en surface. De 1900 à 1970, une usine fabriquait des œillets métalliques pour chaussures à l'aide de trichloroéthylène en lieu et place du collège. Ça veut dire que ça fait 40 ans qu'il y a des enfants exposés et des personnels exposés. Alors, là, moi, j'ai pas les informations. Il faut évidemment qu'on fasse des recherches là-dessus. C'est lié à l'ancienne activité industrielle, on est d'accord. Bien sûr, j'ai pris des engagements ce soir sur le fait que, bien entendu, l'Agence régionale de santé diligentera, si nécessaire, une enquête épidémiologique, c'est-à-dire sur une cohorte et sur des longues périodes. Donc ça, j'ai pris l'engagement ce soir. Après 3 heures de réunion, les parents ont basculé. C'est un potentiel scandale sanitaire. Moi, ma fille, hier, n'a pas été. Ça y est, c'est fini. Faut arrêter. Un jour de plus, non. Non, c'est honteux. Ce qui est honteux, c'est que là, il y a à peu près, je ne sais pas combien de générations aussi de collégiens. Notre génération, c'est-à-dire moi et mes copines de collège. Et des générations antérieures qui ont des problèmes d'infertilité. Ici, s'il n'y avait pas eu l'étude de réhabilitation, on continuerait à respirer la même chose. Rien n'a tellement surpris Sébastien Tirloire, le professeur de techno, dans ce qu'il a entendu ce soir. Le trichloroéthylène, ses risques et ses effets, il connaît par cœur. Depuis 3 ans, il en constate les ravages. Le quartier où il habite à Romainville, en banlieue parisienne, est aussi fortement contaminé. On soupçonne l'ancienne usine Wipelec, aujourd'hui rasée. Le trichloroéthylène et le benzène ont migré au-delà du site. En marron, l'emprise très probable de la pollution. Les solvants remontent dans l'air des maisons sous forme de gaz. Tout un quartier gangréné. Il suffit de se promener en lisière de l'usine pour en avoir la preuve. Catherine est un des visages du quartier. C'est là, l'usine. Au début, les gens rentraient par l'autre côté. Hein. Rue des Ormes, normalement. Voilà. L'usine est très très proche. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une petite sente qui sépare les habitations. Donc ben, cette maison inhabitée parce que ben, les locataires ont dû partir à cause de la pollution. Où ça ? Là. Cette maison qui est là. Donc les propriétaires n'avaient plus le droit de louer ? Non, non, non. Ils ont été évacués. Voilà. Donc ça reste en l'état. Là, une autre maison qui apparemment était plus polluée, ben, cette famille n'avait plus le droit de recevoir ses petits-enfants. L'air dans la maison était devenu un poison. Ses propriétaires ont dû partir. C'était le potager du quartier. Et les gens cultivaient et puis ils nous donnaient des fruits, des légumes. Donc les gens du quartier ont tous mangé des fruits et des légumes de ce potager? Oui. Les gens imaginaient qu'ils mangeaient sainement, quoi. Qu'ils avaient la chance de profiter d'un jardin à portée de main, quoi. Puis en fait, ils s'empoisonnaient au fur et à mesure, quoi.
Et des légumes forcément gorgés de métaux. Gorgés de métaux, de trichlore. Bernard, celui qui s'occupait du potager, est décédé il y a peu d'un cancer du rein. Un des cancers typiques du trichloroéthylène, le polluant retrouvé dans le collège de Vincennes. On va aux enterrements, puis on se dit alors, c'est qui le prochain, quoi ? L'Agence régionale de santé a lancé une étude épidémiologique. Voilà. Catherine a fait sa propre liste en faisant du porte-à-porte. Je sais plus, voilà. Ben, y a du foie, il y a du rein, il y a des reins, il y a des poumons, il y a des leucémies, il y a des AVC, il y a beaucoup de problèmes d'asthme, de respiration. Hein. En fait, il y en a 21 qui sont décédés, qu'on connaît, de cancer. Et c'est juste autour. Autour du site. Autour du site. Dans les rues qui sont autour du site. Il n'y a pas d'épidémie de cancer, quoi. Hein. Parce qu'on peut imaginer en voyant ça. Ça ne se transmet pas. Quand on voit ça, il y a des gens qui pourraient croire que... Comme un virus. Comme un virus, quoi. Qu'on a l'impression d'être pestiféré, quoi. C'est... Les résultats de l'étude de l'ARS n'ont pas encore été communiqués aux riverains. Tu vois. En attendant, la friche a été rachetée au patron défaillant. Le site est en train d'être dépollué, mais uniquement le site. Chez les riverains, rien n'est prévu. Seules des mesures d'urgence prises par la préfecture. Alors, y a déjà ce tube-là, hein, c'est pour le gaz, ça c'est pour le gaz de sol, paraît-il. Ils ont creusé d'un mètre, là, les gaz du sol pollués, ils sortent par là, carrément, au-dessus là. Ils s'est évacué comme ça, ou aéré. Il y a quoi d'autre ? Alors, il y a un système qui a été installé chez les personnes, ça s'appelle une WMC. C'est pour faire circuler l'air et apporter de l'air neuf et aspirer de l'air pollué de la maison, le refaire ressortir. Depuis 50 ans, les entreprises se sont succédées sur ce même site. Le dernier exploitant est resté quelques années avant de fermer les portes de Wipelec en 2009. La loi lui impose à ce moment-là de mesurer la pollution et de protéger les riverains. Nous nous sommes plongés dans les documents d'archives. Dès 2004, le dirigeant fait réaliser cette étude de sol. Il y est écrit noir sur blanc des valeurs de trichloroéthylène 8 fois supérieures au seuil cancérigène. Il ne réagit pas. C'est là où j'ai appris que il y avait un impact aussi dans mon jardin, en fait. Sébastien Tirloir, le professeur de techno, estime le patron de l'entreprise responsable. Avant de partir, il aurait dû dépolluer le site. Donc ça n'a pas été fait, il a laissé à l'abandon. Le site, il est ce qu'il est. Et actuellement, on a les plus grandes difficultés à ce qu'il soit dépollué correctement. Qui est devenu le patron du site Wipelec de Romainville ? Nous sommes partis à sa recherche et nous l'avons retrouvé à Meaux, juste à côté d'une crèche. Le dirigeant a réinstallé sa société dans cette zone industrielle il y a 5 ans. Allô ? Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes une équipe de France 2, on a rendez-vous avec monsieur Pellamourgue. Et je vous ouvre. Guy Pellamourgue fait preuve de transparence. Il ne s'estime pas responsable de la pollution de Romainville, plus ancienne. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour. Il nous ouvre les portes de son usine. Il y a énormément de pièces qui sont destinées à des applications militaires, telles que celle-ci, par exemple, qui est une grille de blindage pour une caméra numérique ou sur des périscopes de sous-marins. Une autre pièce pour
pour Safran, qui sont des obturateurs qui servent à obturer les caméras de vision nocturne qui sont montées sur le fusil FAMAS et sur le casque du soldat. Wipelec est sous-traitant pour l'aéronautique et la défense. Tiens, comme l'usine de Montreuil du début de ce reportage. Grâce à différents bains d'acide, les pièces sont découpées de façon très fine, puis endurcies avec des métaux résistants. Et pour cela, il faut des produits chimiques. Beaucoup de produits chimiques. Vous avez quoi comme bain d'acide, là, par exemple ? Bon, c'est essentiellement acide chlorhydrique, acide sulfurique. Vous avez des bains d'or, comme celui-ci. Donc, dans un bain comme ça, vous avez 1,6 kg d'or. L'installation est classée, c'est-à-dire surveillée. Il faut évacuer ces polluants selon des règles bien précises. Alors ici, c'est la station d'épuration des eaux. C'est là que nous traitons tous nos effluents avant le rejet au réseau communal. En fait. Tout ce qui sort d'ici, c'est propre. Tout ce qui sort d'ici est propre. Guy Pellamourgue estime n'avoir rien à se reprocher. Et pourtant, ici aussi, il est brouillé avec le code de l'environnement. Les autorités s'intéressent à lui depuis quelques mois. En novembre 2016, voici ce qu'elles constatent sur le site lors d'une inspection surprise. 150 tonnes de déchets toxiques à l'air libre depuis 4 ans. Les inspecteurs s'inquiètent de la proximité de la crèche voisine. Pratique pour les salariés qui travaillent dans la zone industrielle. Mais les cheminées de Wipelec rejettent des vapeurs d'acide cyanhydrique, un polluant extrêmement toxique, cette fois au-dessus de la norme autorisée, à quelques dizaines de mètres de 35 bébés. À l'époque, à l'intérieur de l'entreprise, une cadre chargée des questions de sécurité et d'environnement commence à douter de la bonne foi de son patron. Joël Roborg a été recruté en 2013 pour son expérience et sa rigueur. Les déchets abandonnés sur le site ne la rassurent pas. Ça, c'était une aire de stockage à l'arrière d'un bâtiment avec ce type de produit très dangereux, du chlorométhane. Là, ce sont des restes de peinture à base de solvant wood, complètement éventrés, répandus sur le sol, donc s'infiltrant dans la dalle béton. Fin 2016, les inspecteurs de l'environnement somment l'entreprise d'évacuer ses déchets en urgence. Joël Roborg trouve un prestataire agréé, mais finalement, la direction choisit une autre option. Je m'aperçois qu'effectivement, il y a de l'enlèvement de certains déchets qui se font par des véhicules utilitaires, mais sans logo de société, avec des personnes sans protection. Et puis surtout, on n'a pas les bordereaux de suivi des déchets, c'est-à-dire normalement on y met un bordereau, c'est un enregistrement de ce qui part, on identifie le produit, on met le tonnage, il y a un code déchets. Ces documents, je ne les ai pas. Et je ne les ai jamais vus. Tous les sites, oui, sur la... Quelques mois plus tard... L'appareil qui analyse les rejets de la station d'épuration tombe en panne. La direction me dit clairement d'enregistrer des valeurs comme il me semble, c'est-à-dire sans avoir de valeurs prouvées, enregistrées. De mettre de fausses valeurs, en fait. On peut dire cela, oui. Et là, je refuse également. Je dis à la direction, faites-le vous-même. Moi, je ne le ferai pas. Il y a des enjeux forts. La crèche avec les enfants à côté... Là, on parle quand même d'enfants de 3 à 24 mois. C'est important. On a nos salariés également. Joël Roborg finit par donner l'alerte au service de l'État. La sanction tombe. La préfecture suspend en juin dernier une partie de l'activité de Wipelec. Nous avons rendez-vous avec la Drieux, les gendarmes de l'environnement. Jérôme Gollner... Son directeur n'a jamais vu un dossier comme celui-là.
être amené à sanctionner aussi fortement une usine qui a pignon sur rue avec plusieurs dizaines de salariés, c'est effectivement assez exceptionnel. Et pour tout dire, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai pris mon poste en Île-de-France. On a pu constater très, très clairement qu'il était amené à rejeter directement des produits chimiques, des bains de traitement de surface usés directement dans les égouts. Il y avait des problèmes de rejet dans l'air avec des produits très toxiques. On parle d'acide cyanhydrique. Et puis un point, là j'ai une photo qui a été prise lors d'une inspection que je peux vous montrer. Elle est annexée à notre rapport. C'est un bassin pour recueillir les eaux usées en cas d'incendie, sauf qu'il est déjà plein. Pire, je dirais, il n'est pas plein d'eau. On a l'impression que c'est de la belle eau bleue. Ça, c'est de l'acide. C'est de l'acide. La direction de la crèche voisine a fait faire des analyses dans les locaux. Selon ces résultats, la pollution n'aurait pas pénétré l'air intérieur des bâtiments. Tant qu'il n'y a pas de trucs toxiques pour la crèche, non, c'est bon. Ma fille en sécurité. Vous savez que les fumées de l'usine ont dégagé jusqu'à 7 fois le seuil. Oui, on a eu le papier. Mais ils ont fait les analyses dans la crèche et tout se passe bien. Donc. Ils ne sortent pas les enfants à l'extérieur. D'accord. Vous, c'est ça qui vous rassure. Oui. Vous dites, bon, c'est protégé l'intérieur. On est inquiet, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'entreprise a été contrainte de faire des travaux de mise aux normes. Et aujourd'hui, l'activité a repris. Mais il aura fallu 2 gardes à vue pour que Guy Pellamourgue s'exécute. Le dirigeant se dit victime d'un complot des services de l'État et de son ancienne salariée. Il l'a licenciée pour faute lourde et dénonce sa volonté de lui nuire. J'ai créé cette société il y a 33 ans. On n'a jamais eu aucun incident de pollution. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous ne polluez pas si pendant 5 ans, vous laissez à l'abandon plus de 100 tonnes de déchets sur le site ? Ils sont dans des zones de rétention, dans des bacs de rétention. Enfin, vous voyez bien que ça fuit, là, qu'il y en a partout. Oui, ce sont des colorants de peinture, ça. Mais il y a des solvants aussi dans tout ça. Oui, mais c'était dans des... Oui, c'est des choses dangereuses, on voit bien, liquide inflammable, toxique, oui, etc. Pendant 5 ans sur le site. Oui, tout à fait, parce qu'on n'avait pas les moyens financiers de les enlever. Quant à la crèche, là encore, il a réponse à tout. Donc des cheminées qui recrachaient en direction de la crèche jusqu'à 7 fois un dérivé d'acide. Oui, tout à fait. C'est pas anodin. Non, non. Sur une crèche avec 35 bébés. Oui. Je vous ai dit, cette crèche n'aurait jamais dû être là déjà. Oui, mais c'est une pollution, ça. Oui, si vous voulez. D'accord. Mais ça a duré très peu de temps. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de casseroles, quand même ? Peut-être, si vous voulez, mais... Et pour vous, vous n'êtes toujours pas un pollueur ? Non. Bah, écoutez, je vous remercie. De rien. Guy Pellamourgue ne manque pas d'aplomb. Il a de puissants alliés, ses clients qui peuvent difficilement se passer de lui. Parmi eux, un des plus gros groupes aéronautiques et défense, Safran. Il a volé au secours de Wipelec devant le Conseil d'État pour protester contre la suspension d'activité. Nous avons tenté de les contacter, ils n'ont pas voulu nous répondre. Nous sommes donc allés à leur rencontre lors du Salon mondial de la sécurité à Paris. Notre seule chance d'échanger avec des cadres de l'entreprise à la communication ultra verrouillée. On est venu vous voir parce qu'on voulait vous montrer des photos. Oui. Est-ce que ces documents, vous les connaissez ? Pas du tout. Ça, ce sont des déchets toxiques qui ont été laissés à l'air par un attendez, nouveau fournisseur. France 2, quoi, là. Oui, France 2. Okay, un nouveau fournisseur Wipelec. Est-ce que ça vous gêne, monsieur ? Est-ce que ça ne vous gêne pas, ça on pas, on n'est pas là, on n'est pas là. Est-ce que ça ne vous gêne pas ? Alors, merci, non, non. Est-ce que ça ne vous gêne pas, monsieur ? C'est une question légitime que Safran travaille avec une entreprise qui est potentiellement dangereuse et polluante. Je vous signale que là, vous êtes sur un site privé. Très bien, alors je vais aller là, mais il n'y a aucun problème. Je vais attendre peut-être que vous me répondiez. Est-ce que ça vous gêne, monsieur, que votre entreprise soit associée potentiellement à une entreprise polluante ? Vous préférez pas me répondre ? Ben, on va attendre. Safran n'ignore pourtant rien des déboires de son sous-traitant. Selon nos sources, plusieurs clients, dont Safran, aurait versé de l'argent pour la mise aux normes de l'usine.
Moi, j'aime bien ces réunions-là, parce que c'est quand même... Catherine et les habitants du quartier ont malgré tout décidé de se battre. C'est l'occasion de retrouver tout le monde. Hein? Oui, c'est vrai. Coucou, c'est nous. Tu vas bien, toi? Ouais. Trois ans déjà. Trois ans, ouais. Cela fait trois ans, jour pour jour, qu'ils ont entamé leur première démarche au sein d'un collectif de riverains. Qui c'est qui veut souffler? Aujourd'hui, ils fêtent une sorte d'anniversaire avec un clin d'œil, la cuvée Wipelec 2006. Allez, avant tout, je pense qu'on peut commencer cette séance par un grand bravo à nous tous. Et on se ouais, bravo. Sébastien Tirloire annonce une petite victoire. Grâce à eux, la crèche de Meaux est désormais sous haute vigilance. Si on n'avait pas porté plainte, si on n'avait pas alerté les pouvoirs publics en disant « attention, il y a une crèche à côté, etc. », il n'y aurait rien. Wipelec, il continuera à travailler comme il a toujours travaillé depuis très longtemps. Et pour le moment, déjà, je pense que c'est... 31 riverains ont porté plainte contre X pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Ils espèrent désormais l'ouverture d'une instruction judiciaire afin que les responsables ne restent pas impunis. Le collège de Vincennes a été fermé. Les travaux prendront plusieurs années. À Montreuil, les parents d'élèves qui manifestaient contre l'usine ont entamé une course contre la montre. Ils craignent que le site mette la clé sous la porte et ne paie pas la dépollution éventuelle. Nous, on demande justement à l'État et aux collectivités locales de se dépêcher. Ils sont encore là, donc on peut encore les faire payer. Ce site, il appartient encore à quelqu'un. Dans six mois, il n'appartiendra plus à personne. Combien d'établissements scolaires, combien d'élèves sont aujourd'hui exposés à la pollution des sols ? Près de 1000 écoles figurant au départ sur la liste des diagnostics n'ont finalement pas été testées. Évidemment, cette enquête va inquiéter de très nombreux parents d'élèves. Bonsoir Corinne Lepage. Bonsoir Élise Lucet. Vous étiez ministre de l'Environnement de 1995 à 1997 et c'est vous qui avez lancé en France l'inventaire des sites pollués. Et déjà, à l'époque, l'administration a un peu pris le problème à la légère. Racontez-nous ce qui s'est passé. J'étais un peu étonnée quand mon administration est arrivée fièrement avec une liste qui devait faire 800 ou 900 sites. J'aurais dit, écoutez, un truc que je ne comprends pas, en Allemagne, on compte en milliers, voire en dizaines de milliers. Nous, on n'en aurait que quelques centaines. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un problème quelque part? La France, elle est même dans le déni sur le problème, j'allais dire, y compris au niveau européen. Et ça aussi, vous l'avez vécu? Oui, comme députée européenne, parce que je me suis battue pour qu'il y ait un texte sur les sols pollués. Vous savez, nos téléspectateurs savent qu'il y a des textes sur l'eau, il y a des textes sur l'air, il y a des textes sur les déchets. On en voulait un sur les sols pollués. Précisément, la France s'y est opposée. Mais comment vous expliquez que 20 ans après, ce que vous, vous avez engagé, 20 ans après, on en soit toujours là, et sur des sites aussi sensibles que les écoles où nos enfants sont tous les jours? Bien très souvent, parce que, alors dans le temps, les écoles ont été construites sur des sites pour lesquels on ne faisait pas attention. Par exemple, l'école Marie Curie à Nogent, elle a été construite sur le site où Marie Curie a fait ses expériences de polonium. Bon, elle a été fermée à la fin des années 90. Mais très souvent, c'est des terrains pas chers. Par exemple, récemment, l'école Nelson Mandela, qui a ouvert en 2012, donc c'est tout récent, permis de construire de 2009. Ça, c'est où? C'est à Saint-Ouen. Oui. L'État a dit non, il ne faut pas construire là-dessus. Trop dangereux. C'est encore un sol pollué, la mairie est passée outre.
Donc ça veut dire qu'il y a une école aujourd'hui sur ce site pollué. Et qui n'est probablement pas sur la liste puisqu'elle n'a ouverte qu'en 2012. Malgré l'avis défavorable de l'État. Et qui n'a quand même pas attaqué le permis de construire. Ça veut dire que c'est une attitude un peu ambiguë. Alors vous, vous dites, en gros, on construit les écoles sur des terrains parce qu'ils sont pas chers. Souvent, oui. Et il n'y a pas que les écoles pour le coup. Non, vous pouvez avoir des hôpitaux, vous pouvez avoir des maisons de retraite, vous pouvez même avoir des crèches. Et à chaque fois, ce sont des gens qui sont particulièrement sensibles, particulièrement vulnérables. Donc c'est des populations vulnérables. Où il faudrait faire particulièrement attention. Alors je ne dis pas que systématiquement, on cherche tous les sites pollués. Mais simplement, dans une équation d'un immeuble public, eh bien, le prix du terrain va évidemment être quelque chose de très important pour une collectivité. Mais franchement, Corinne Lepage, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est confronté, par exemple, à quelque chose comme ce qu'on a vu avec le collège de Vincennes? Vous êtes d'ailleurs l'avocate de certains des parents d'élèves de Vincennes. Est-ce qu'il faut raser les écoles? Parce que ce n'est pas si simple que ça. Hein. Il ne faut pas les raser. Il y a trois catégories. Il y a celles qui ne posent pas de problème, on n'en parle pas. Il y a celles qu'il faut surveiller, deuxième catégorie. Et puis il y a celles qui sont vraiment dangereuses. Celles-là, il faut déjà terminer l'inventaire, il n'est pas fini. Mmh. Et il faut les fermer, évidemment, quand il y a un risque pour les enfants. Alors vous allez me dire, on va les mettre où? J'entends bien qu'il y a un problème. Mais Eh bien, je pense qu'on peut réaliser des Algeco. Vous savez, il y a des années, moi, quand j'étais au lycée, on avait encore des Algeco. Ça ne dure pas très longtemps, mais ça permet de décontaminer. Je pense que la santé de nos enfants, c'est quand même une priorité absolue. Face à ce constat qu'on fait dans notre reportage, dans notre enquête, qu'est-ce que vous demandez, vous, concrètement au gouvernement, vous qui êtes impliqué dans ce dossier? Écoutez, ce que je demande, c'est d'abord, un, qu'on finisse l'inventaire. Il paraît qu'il n'y a plus d'argent pour le faire. Je suis désolée, c'est prioritaire. On parle de dette au regard de la comptabilité publique. Je suis désolée, ça, c'est une dette. C'est une dette que nous prenons sur la tête de nos gosses. C'est inadmissible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir un suivi médical pour les enfants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aucun. C'est-à-dire au moins qu'il y ait, comme dans votre reportage, des mèches de cheveux. Je sais bien que c'est un petit coup d'analyser des ça. De sang. Des prises de sang, voir s'il n'y a pas de problème. Et puis, troisièmement, je pense qu'il faudrait voir le problème de manière plus vaste. Nous avons en France un très gros problème avec nos sites pollués. Mmh. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises ont déménagé. Il y a des entreprises très correctes et qui font très bien leur travail. Ouais. Bon, donc, il faut le dire. Mais il y en a d'autres qui déménagent à la cloche de bois. À la cloche de bois, ça veut dire qu'ils ont fait faillite. Ou qui déménagent sans avoir fait la dépollution qu'il aurait fallu faire, sans que l'État utilise les moyens qu'il a parce que la loi les lui donne pour faire dépolluer convenablement. Et donc, nous nous retrouvons avec énormément de sites pollués. Mmh. Je pense qu'il faudrait créer un fonds spécial pour permettre de réparer tous ces terrains qui sont notre patrimoine collectif, les remettre en état. Mais le gouvernement, il dit qu'il n'a pas d'argent. L'État n'a pas d'argent. Les collectivités publiques n'ont pas d'argent. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un fonds qui soit ouvert à vous et à moi, au public, avec des conditions fiscales qui sont les mêmes que pour la forêt. C'est-à-dire? Eh bien, pour la forêt, quand vous avez des forêts, vous n'avez pas de droit de succession sur les forêts. Mmh. Là, je considère que se donner 30 ans pour rendre propres tous nos terrains, c'est un peu comme planter une nouvelle forêt qui serait à la disposition de nos enfants et de nos petits-enfants, eh ben, je pense qu'on pourrait avoir le même régime fiscal. Ah, ça voudrait dire que tout le monde pourrait y participer, tout le monde pourrait investir. En tout cas, nous, ce qu'on peut dire, mais alors là, très franchement, hein, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à obtenir ces informations concernant les établissements scolaires qui posent problème. Il faut vraiment chercher au fin fond d'un dossier du ministère pour trouver toutes ces données. Alors, pour vous faciliter la tâche et pour faciliter la tâche à tous nos téléspectateurs, eh bien, on a établi une carte interactive. Vous pouvez la consulter sur le site France Info. Elle est déjà en ligne depuis quelques heures. Vous pouvez zoomer sur le nom de l'établissement scolaire de votre enfant et vous saurez immédiatement si vous êtes concerné. Finalement, il faut le dire et le reconnaître, c'est grâce à la mobilisation des associations que ces données ont été enfin rendues publiques en novembre dernier. Corinne Lepage, j'ai envie de dire, c'est toujours un peu les associations qui font bouger les pouvoirs publics. Oui, c'est les lanceurs d'alerte. Ça peut être des associations, ça peut être des parents d'élèves qui se mobilisent. Ça a été le cas pour, par exemple, les antennes relais. Beaucoup de parents qui sont mobilisés pour les écoles. Oui, c'est les citoyens, parce que là encore, l'État préfère souvent d'autres priorités. Et puis, je terminerai en disant que malheureusement, on a un principe non écrit dans l'administration française, qui est que tant qu'un problème n'a pas explosé, il n'existe pas. Merci à vous, Corinne Lepage. Après la vapeur, l'électricité et l'informatique, la nouvelle révolution industrielle, c'est l'intelligence artificielle. Et elle est déjà en train de bouleverser notre quotidien à la maison comme au travail. Dans de nombreuses entreprises, les robots remplacent désormais les hommes. Jamais absents, jamais malades, disponibles jour et nuit. Difficile de faire mieux en termes de rentabilité.
Alors faut-il en avoir peur? Vont-ils contrôler nos vies? Ou au contraire la rendre plus facile? Regardez bien ces nouvelles machines parce que le 21e siècle leur appartient aussi. Robots, le meilleur des mondes, c'est un reportage de Martin Miski et Vincent Lepreux avec Yemaya Productions. Voici le centre postal le plus moderne du monde. Ses employés, une armée de petits robots roulants, infatigables et dociles. C'est l'avenir du tri postal. Nous sommes chez STO Express, numéro 3 du courrier en Chine. Zhenlong Chen est le directeur de ce site ultra robotisé. Pour le dispatching, nous sommes les meilleurs au monde. En 5 minutes, notre ordinateur traite l'équivalent d'une journée de trafic aérien de l'aéroport de Pékin. Pour résumer simplement, c'est un peu comme si la plateforme était un pays et que les trous étaient des villes. Par exemple, ce colis va à Pékin, et le trou pour Pékin, c'est celui-ci. Chaque jour, 300 robots acheminent et trient 70 000 colis. Un balai réglé au millimètre, sans la moindre fausse note. Face à la concurrence humaine, en matière d'efficacité, il n'y a pas débat. Le robot met 32 secondes pour traiter un colis en moyenne. L'humain, lui, met 15 minutes. On ne peut pas comparer un humain et un robot. C'est incomparable. À quelques mètres, une partie de l'usine n'a pas encore été robotisée. Une efficacité toute relative qui a conduit Zhenlong Chen à laisser aux humains les tâches les plus basiques. Il suffit de prendre le colis et de le déposer sur le plateau du robot avec l'étiquette vers le haut. Juste au-dessus, il y a des capteurs et une caméra ultra rapide qui scanne l'adresse de destination. C'est tellement simple que même un enfant pourrait faire ce travail. C'est par où le problème? Et même lorsque les robots buguent à cause d'interférences, il ne faut que quelques secondes pour corriger le problème. Il suffit de le mettre là. Et c'est bon. Le système a été mis en place en 2016, dans 4 des 7 plateformes du groupe. À chaque fois, la société a supprimé les 3/4 de ses employés. Il n'en reste qu'une dizaine sur la plateforme. Avant, le travail était très difficile. Je suis très heureuse. Depuis qu'il y a les robots, les ouvriers sont plus détendus. Et ils ne vont pas remplacer tout le monde quand même. De l'autre côté, Zhenlong Chen est un peu moins optimiste. Avec le concepteur, nous avons établi un planning. D'ici 3 ans, il n'y aura plus aucun employé humain. En réalité, les robots semblent avoir déjà gagné la partie. Ces derniers mois, leurs progrès ont été fulgurants. Désormais, ils peuvent sauter et courir comme des athlètes de haut niveau. Côté intelligence, ils en viennent même à détrôner l'humain. Le 23 mai 2017, le programme AlphaGo est parvenu à battre à plate couture le champion du jeu de Go, le jeu le plus compliqué du monde. Certains ont atteint un tel stade d'évolution qu'ils ont même acquis le statut de citoyen, comme ici en Arabie Saoudite. C'est historique d'être le premier robot dans le monde à être reconnu comme citoyen. Aujourd'hui, ils peuvent répondre à tous vos désirs, même les moins catholiques. Est-ce qu'on peut recommencer tout de suite, chérie? Ceux qui auront succombé au péché
pourront toujours trouver l'absolution auprès de ce robot prêtre allemand. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Aujourd'hui, ils ont conquis le monde du travail. Cuisiniers dans les fast-food, policiers à Dubaï, chef d'orchestre à Pise, et bien sûr, ouvriers dans les usines. Vous les achetez, vous les entretenez correctement, ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas de mauvais jours. Ils ne font que travailler. Les intelligences artificielles ne sont plus de la science-fiction. Toujours plus évoluées, elles peuvent désormais apprendre seules. Nous avons construit une machine qui gomme la frontière entre l'humain et la machine. Une nouvelle révolution industrielle est en marche et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les robots vont-ils simplement nous délester des tâches ingrates ou bien vont-ils nous remplacer ? Nos sociétés sont-elles préparées à de tels bouleversements ? Chronique d'une révolution annoncée. Imaginez le nouvel âge de l'espèce humaine qui bouleversera nos modes de communication. Cette séduisante jeune femme blonde n'est pas réelle. Pourtant, elle s'apprête à provoquer un véritable séisme sur le marché de l'emploi. C'est une intelligence artificielle. Je m'appelle Amelia et je serai votre guide. Au sommet de cette tour de New York, siège la société qui a construit cette intelligence artificielle destinée à remplacer les emplois de bureau. Ergun Ekici est l'un des créateurs d'Amelia. Bonjour Amelia. Bonjour. La jeune femme me reconnaît. Parlons-en. Ça, c'est le cerveau d'Amelia. Ces petits points bleus, ce n'est pas pour faire joli. Chacun représente des connaissances et des informations cognitives. Si vous lisez quelque chose, est-ce que vous mémorisez les mots ? Non, personne ne les mémorise. Ce que vous faites, c'est que vous lisez les mots et vous en extrayez les concepts et fabriquez des relations entre eux. Alors, on va lui poser une question. Qu'est-ce que France 2 ? Je n'en ai aucune idée. Elle n'en a aucune idée. Pas grave, elle ne l'a pas appris, c'est tout. Comme avec un enfant, Ergun Ekici va donner de l'information à Amelia. 10 lignes d'historique sur la chaîne de télévision, piochées sur Internet sans autre indication. Je lui donne et lui dis « Lis, apprends ». Vous allez voir son activité neuronale, l'extraction des concepts. En quelques secondes, le cerveau d'Amelia absorbe les informations et selon Ergun Ekici, il établit des liens entre les mots pour saisir le sens de la phrase. Exactement comme le ferait un cerveau humain. Et maintenant, je vais lui redemander ce qu'est France 2. C'est une chaîne de télévision française. Pas mal. L'intelligence artificielle a fait le tri. Elle est parvenue par elle-même à identifier la bonne information dans le texte que lui a donné Ergun Ekici. Et maintenant, si je continue, à quel groupe ça appartient ? Je veux que vous notiez quelque chose d'important. Tapez « à quel groupe ça appartient » dans Google. Cela vous paraît insignifiant, mais qu'est-ce que vous entendez par ça ? Il, elle, eux ? Nous avons fait le test. Le moteur de recherche va lire chaque mot séparément, sans vraiment comprendre le sens global de la question. Pour Google, « CA » signifie tout simplement « crédit agricole ». Amelia, elle, est non seulement capable de comprendre, mais aussi d'interpréter une question formulée de manière complexe, puis d'y apporter la meilleure réponse. Donc on reprend. À quel groupe ça appartient ? Au groupe France Télévisions. Fantastique ! Comme un humain, elle lit, elle comprend. Et vous pouvez voir les différentes parties de son cerveau qui s'activent et donnent la réponse. Nous avons construit une machine qui gomme la frontière entre l'humain et la machine.
un cerveau informatique construit comme celui d'un humain, mais avec une mémoire sans limite et sans défaillance. Ergunekissi a déjà commencé à déployer sa protégée dans une multitude de secteurs. Assurance, ressources humaines, agences de voyage, banques. Amelia peut potentiellement travailler à la relation client de toutes les entreprises. Maintenant, je veux vous montrer comment elle utilise une autre partie de son cerveau. Dans les premiers mois, Amelia ne pourra pas occuper seule un emploi. Impossible pour elle de connaître toutes les facettes de votre métier. C'est normal, elle doit apprendre. Mais elle aura le meilleur des formateurs, vous, que vous le vouliez ou non. Par exemple, quand un client veut activer sa nouvelle carte bleue. Amelia n'a pas été programmée pour répondre à cette question, mais elle a observé de vrais conseillers bancaires le faire auparavant. Vous pouvez lui faire écouter une conversation en temps réel entre des agents et des clients. Elle écoute et elle se dit « Ah, je comprends ce que tu fais ». Les champs d'application d'une telle intelligence artificielle sont potentiellement infinis. Et c'est bien ce qui inquiète les économistes. Dès 2013, l'étude de deux chercheurs de l'université d'Oxford en Angleterre révélait que les intelligences artificielles pourraient avoir un impact colossal sur les emplois de bureau. Elles pourraient techniquement remplacer 99% des postes de téléopérateurs, 94% des comptables ou des assistants juridiques. Edwin Van Bommel est le directeur de l'équipe cognitive d'Amelia. Sa mission, la faire adopter par le consommateur. Pour y parvenir, il a tout misé sur une idée. Les gens se fient beaucoup plus à une machine si cette machine a eu l'apparence humaine. Il y a eu un test au Japon dans un aéroport. Ils avaient installé un robot d'accueil, mais les gens ne s'en servaient pas. Les concepteurs se demandaient, mais pourquoi ils n'utilisent pas cette machine fantastique? Elle peut imprimer leurs billets d'embarquement et faire plein de choses. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé un simple écran dessus, montrant un visage souriant. Et tout à coup, les gens ont commencé à l'utiliser. Voici Christopher, c'est le designer en chef d'Amelia. Son travail, c'est de la rendre aussi humaine que possible. En la matière, Christopher est un spécialiste. C'est un ancien de chez Disney. Au quotidien, c'est lui qui s'applique à rendre Amelia sympathique et émotive, telle que vous la verrez en communiquant avec votre banque. Ce que vous voyez ici, ce sont les commandes de son visage qui permettent de modeler ses expressions faciales. Elles sont connectées au cerveau d'Amelia. Elle peut donc exprimer des émotions en temps réel. Et cela me donne l'impression qu'elle me comprend, qu'elle me respecte, qu'elle saisit ce que je veux lui dire. Afin de nouer de bonnes relations avec les futurs clients, Christopher tente même de donner à Amelia un trait de caractère indispensable, l'empathie. On travaille également à l'interprétation du visage du client. Pour le moment, Amelia nous comprend par les mots, mais on est en train de développer aussi sa compréhension du langage corporel. Si vous dites « bien sûr », mais que votre visage grimace, c'est que vous êtes ironique. En se basant uniquement sur vos mots, elle pourrait se méprendre. Mais si elle voit votre visage et qu'elle parvient à décrypter votre expression, elle peut vraiment comprendre ce que vous voulez dire. Et elle va calquer ses émotions aux vôtres. Plusieurs intelligences artificielles comme Amelia sont en rodage dans des centaines d'entreprises un peu partout dans le monde. En France, par exemple, plusieurs grandes banques, comme le Crédit Mutuel ou BNP Paribas, ont investi des millions pour acquérir Watson, le concurrent d'Amelia, ici en pleine conversation, sous les traits d'un avatar féminin ultra réaliste. Comment ça va ? Je vais bien, merci. Je suis très heureuse d'être ici. Aucune de ces sociétés n'a répondu à nos demandes de tournage. Et pour cause, ces super conseillers virtuels auront un lourd impact. Les concepteurs d'Amelia eux-mêmes estiment que les intelligences artificielles supprimeront 250 millions d'emplois sur la planète d'ici à 2025. Amelia va faire le travail. Et ce que deviendront les gens qu'elle remplace, ce n'est pas notre problème. Notre objectif, c'est qu'Amelia soit la plus efficace possible. Les robots se sont déjà imposés dans le monde de l'industrie. Désormais, avec l'intelligence artificielle,
les emplois de service sont à leur tour menacés. Nous partons en Caroline du Nord, à Southport, une petite station balnéaire prisée des baigneurs et des pêcheurs. C'est ici que vit Beverley Clayton, 52 ans. Beverley n'est pas ouvrière, et pourtant elle fait partie des premières vagues d'employés victimes de la robotisation. Jusqu'en février dernier, elle était comptable dans la plus grande chaîne de magasins américaine, Walmart. C'est le Walmart dans lequel j'ai travaillé pendant 16 ans. Et puis, ils ont supprimé mon job parce qu'ils ont centralisé et automatisé les tâches. Son poste a été supprimé, comme une grande partie des autres comptables du groupe. De la côte ouest à la côte est des États-Unis, ils ont éliminé 7000 jobs, 7000 personnes. Toute la comptabilité et la facturation, ils ont tout remplacé par un robot. La machine qui l'a remplacée, la voici. Walmart en a installé une dans chacun de ses magasins. Une machine intelligente qui comptabilise le liquide et les factures en quelques secondes. Elle communique aussi avec la banque pour que l'argent produise immédiatement des intérêts. Enfin, elle prédit la trésorerie nécessaire au bon fonctionnement des magasins. Ce que Beverley faisait en plusieurs heures, la machine le traite en moins d'une minute. Beverley a retrouvé un travail assez rapidement. Un poste de comptable dans une petite entreprise locale. Mais l'arrivée de l'intelligence artificielle lui aura quand même coûté très cher. C'est ma dernière feuille de paie. Avec tous les avantages, je gagnais pas loin de $30 de l'heure. Mais je suis passée de ça à simplement $15 de l'heure. Et je n'ai plus aucun avantage. Plus de sécurité sociale, de retraite, de congés maladie ou de congés payés. Une économie énorme pour Walmart, mais de lourdes conséquences pour les salariés comme Beverley. Vous savez, ici, quand les gens perdent leur travail, ça veut dire qu'ils perdent tout. Vous ne perdez pas seulement votre travail, vous perdez votre maison, votre voiture. Et je me demande combien des 7000 personnes ont subi ça. C'est triste de voir qu'ils ont économisé sur le dos de ces gens. Un déclassement accéléré que Beverley et les 7000 autres comptables étaient loin d'avoir anticipé. Quand je suis arrivée à Walmart, il y a à peu près 15 ans, je me rappelle une femme qui m'a formée, qui était là depuis 20 ans. Elle me disait, ils veulent éliminer la paperasse, tout informatiser, mais on ne le verra jamais. Elle avait tort. Elle était persuadée que ça n'arriverait jamais. Le motif de son licenciement est sans appel. Pénurie de travail. Une formule qu'on risque de lire de plus en plus dans les années à venir, y compris en France. Dans notre pays aussi, les robots gagnent du terrain, en particulier dans le secteur de l'industrie. La petite ville de La Roche-sur-Yon, en Vendée, abrite le numéro 2 mondial des robots destinés à la plasturgie. 550 employés, 125 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bienvenue chez CEPRO. Les robots Jean-Michel Renaudot, le patron, aimerait en voir partout. Bonjour messieurs. Bonjour. Ce matin, il a rendez-vous avec des commerciaux d'une des plus grandes marques mondiales de robots domestiques. Ils veulent lui vendre un petit robot d'accueil. Je me présente, je suis votre robot d'accueil. Quand je vais à côté, on voit bien le côté jouet. Pepper, hein, vous l'appelez comme ça, moi j'aurais tendance à lui donner un nom plus sympa du genre Joe le robot, mais finalement je voudrais mettre ce robot qui a l'air d'un jouet au travail. En matière de robot, Jean-Michel Renaudot est plutôt exigeant. Il veut vérifier si celui-ci est capable d'accueillir ses visiteurs. Et venez avec moi Caroline, on va y aller à deux. Et donc on arrive, donc... Il n'est pas lancé. Mais l'entretien d'embauche va tourner court. Alors mon jeune ami,
Bienvenue chez Cepro. Je peux vous présenter nos produits ainsi que nos services en attendant l'arrivée de votre contact. Je ne le souhaite pas. Alors là, en termes d'interaction, finalement, si je dis que je ne le souhaite pas, il se passe quoi? En fait, il ne se passe pas grand-chose. Ce petit robot a des capacités limitées et ne répond qu'à des situations préprogrammées. Ce robot-là, c'est un nouveau-né, en fait, en matière d'accueil. Il faut tout lui apprendre, en fait. Donc, il faut lui faire son éducation, entre guillemets. Bon. Mignon, mais pas vraiment utile. Tout le contraire de ses robots à lui. Des mastodontes de plusieurs tonnes, qu'il vend notamment aux constructeurs automobiles du monde entier. C'est quasiment ce qu'on fait de plus gros. Ça embarque 100 kg, ça va être des faces avant de véhicules, ça va être des planches de bord. Finalement, il fait un travail humain, c'est un robot de manutention. Un robot qu'on s'arrache, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique, le premier marché de Jean-Michel Renaudot. Pittsburgh, berceau de la sidérurgie américaine. Le patron de Cepro y vient régulièrement démarcher ses clients américains. Je vois Fresenius là en face, vous savez que c'est un client allemand ça ? Non. Vous devriez aller voir s'ils ont des pré-injections. Je blague pas. Jean-Michel Renaudot vient aussi ici pour débusquer les futures avancées technologiques. Son objectif ? Augmenter sa part de marché dans le pays, pour l'instant de 30%. Il s'est associé avec l'université la plus prestigieuse dans le domaine de la robotique, Carnegie Mellon. Good afternoon, David. Bonjour David. Bonjour Jean-Michel. Ça fait plaisir de te voir. David Bourne est docteur en robotique depuis 1976. Je vois que vous avez un beau réceptionniste. C'est un robot réceptionniste. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Par exemple, où trouver David Bourne? C'est ce qu'il nous faudrait à Cepro. Ça serait une super idée. Dans ces laboratoires, des prototypes plus étonnants les uns que les autres. Tous les robots ont ici une application très pratique. Les 800 doctorants du département robotique travaillent pour la défense américaine et une multitude d'entreprises, de Google à Boeing. Tu peux le relancer ? Ok, c'est parfait. Il a été utilisé dans des sites nucléaires, mais aussi dans les pyramides de Gizeh en Égypte. Il est très efficace pour la recherche et le sauvetage de personnes. Ce serpent robotique intelligent est capable de repérer et de contourner des obstacles. Il a notamment permis de retrouver des personnes ensevelies lors du dernier tremblement de terre de Mexico en 2017. Je n'ai pas peur, ce n'est qu'une machine. Là, je trouve que c'est un peu fort. It's a bit strong if I don't, mind. Tu crois que ce concept pourrait nous être utile? Oui, bien sûr. Ça t'intéresse? Pour l'année prochaine, peut-être? Non, c'est plutôt du long terme. Je peux vous prendre en photo? C'est le magasin de jouets, c'est la boîte à idées. Et puis c'est surtout se dire que c'est possible. Je pense que l'idée principale en venant à Carnegie, c'est de se dire que, à la limite, ce qui est impossible aujourd'hui peut être possible demain. Quoi. C'est ça qui est important. Et surtout, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est si c'est possible demain, ça va faire du business, parce qu'on est quand même là pour ça. Durant sa semaine américaine, Jean-Michel a prévu de rencontrer certains de ses plus gros clients. 450 km plus au nord, Détroit, dans le Michigan. Tout autour de cette ville dédiée depuis un siècle à l'industrie automobile, des centaines de constructeurs et de sous-traitants. Super. Ici, les clients de Cepro adoptent un discours décomplexé. Comme Sean, le responsable de l'automatisation de cette usine, spécialisée dans les insignes décoratifs. On fait 85% des badges de l'industrie automobile américaine. Pour lui aussi, c'est sûr, la main-d'œuvre humaine est en sursis. À chaque fois que c'est possible, nous installons des robots. C'est une question d'efficacité, vous voyez.
Avec les humains, vous avez des coûts permanents. Chaque année, vous devez payer pour les salaires et les charges sociales. Vous avez le facteur fatigue à prendre en compte. Avec les robots, vous n'avez pas ce problème. Vous les achetez, vous les entretenez correctement, ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas de mauvais jours. Ils ne font que travailler. Et j'ajouterais bien, on n'a jamais assez de robots. Oui, c'est clair, jamais assez. Jamais assez. Comme chez cet autre client de Jean-Michel Renaudot. Ici, la robotisation a été poussée à l'extrême. On m'a dit que c'était la plus belle usine du secteur. Dans cette usine aussi, ce sont les robots de Jean-Michel qui assurent la manutention. L'entreprise est spécialisée dans les petites pièces plastiques, présentes un peu partout dans les moteurs de nos voitures. Et là, vraiment, il n'y a plus aucun employé. Tout est automatisé. Oui. Et le stock de pièces est posé sur des chariots? Oui. Et ce sont quand même des gens qui viennent récupérer les pièces? Oui, ils font une petite vérification et puis ils les mettent dans les étagères. Ici, on peut fonctionner 12 heures sans allumer la lumière. Mais bon, après 12 heures, il faut bien emballer les pièces. Impressionnant. Est-ce que parfois vous vous posez la question de participer à un système qui supprime de l'emploi humain? Est-ce que parfois vous y pensez? C'est évident. On sait bien effectivement que d'un côté on poursuit quelque chose d'inévitable, c'est d'aller avec le flux technologique, d'aller avec l'économie de la connaissance qui nous pousse toujours plus loin dans le fait de proposer des solutions efficaces, et puis se poser quand même la question de ce qui se passe pour les gens qui sont inadaptés. Que deviendront ces gens soi-disant inadaptés après leur licenciement? Tous les promoteurs de robots l'assurent, leur arrivée créera au final de nouveaux emplois, bien plus qu'elle n'en détruit. Cette idée était partagée encore récemment par Daron Acemoglu, chercheur au MIT, la prestigieuse école d'ingénieurs de Boston. En 2012, voilà ce qu'il déclarait lorsqu'on l'interviewait sur le sujet. Parfois, les progrès technologiques conduisent à remplacer les ouvriers par des machines. Et quand cela arrive, des ouvriers perdent leur emploi. Et cela pèse sur le marché du travail. Mais nous pensons au final que tout ceci est positif, autant pour les travailleurs que pour la société. Depuis, il a refait ses comptes, en s'appuyant cette fois sur des données chiffrées. Nos résultats sont légèrement plus négatifs. Bien sûr, on n'assiste pas à la disparition de millions d'emplois. Mais ce qui est clair, c'est que sur une période de 20 ans, les créations de nouveaux emplois dans d'autres secteurs de l'économie n'ont pas compensé les destructions liées à l'automatisation. Son étude sur l'impact des robots sur l'emploi est la première du genre. Pour lui, de 1990 à 2007, les robots ont détruit jusqu'à 670 000 emplois américains dans l'industrie. Et les effets ne s'arrêtent pas là. Tout d'abord, les travailleurs qui perdent leur emploi font partie des mieux payés. Donc au moment où ils perdent leur travail, il y a un premier effet négatif. Ça, c'est l'impact direct. Mais encore plus important, c'est l'effet indirect. Désormais, ces chômeurs vont rechercher un autre travail et ils vont mettre une pression à la baisse sur les salaires des autres travailleurs. Du coup, ils sont en concurrence pour ces emplois, alors qu'auparavant, il y avait du travail pour tout le monde. La course à la robotisation s'intensifie année après année. C'est encore plus vrai depuis qu'un pays, premier acteur du commerce mondial, en a fait une stratégie d'État. La Chine. En 2014, le gouvernement central a décidé d'imposer à son économie un plan national de robotisation massif. 650 000 robots installés d'ici à 2025 pour remplacer des millions d'ouvriers et rester compétitif. Pour l'instant, le pays a encore des besoins en main-d'œuvre. Les offres d'emploi, affichées en pleine rue, restent nombreuses dans les régions industrielles. Pourtant, avec le plan robotique,
cela ne devrait pas durer. Tsingtao, au sud-est de la Chine. Ici sont implantées les plus grandes entreprises du secteur électroménager, comme ISENCE. En France, les produits ISENCE sont surtout connus sous d'autres marques, Hitachi, Sharp ou Whirlpool. Le groupe possède 9 usines, dont celle-ci, la plus imposante. 5000 personnes y travaillent, presque une ville, avec logement, animation et cantine géante pour les ouvriers. ISENCE est une entreprise publique, propriété de la ville de Tsingtao, et l'un des fleurons technologiques chinois, avec un chiffre d'affaires de près de 14 milliards d'euros l'année dernière, autant que la Fnac, venteprivée.com et Conforama réunis. Monsieur Li est le directeur de l'usine. Reste là, j'y vais. Depuis 2015, il a mis en place la robotisation souhaitée par les autorités. Les téléviseurs du groupe sont désormais assemblés et vissés en partie par des robots. Ils remplacent les humains dès lors que leur coût est inférieur à 2 années de salaire d'un employé. La robotisation est un souhait très fort des autorités. Ici, tout le monde connaît le plan robot 2025. Alors nous avons beaucoup de soutien pour effectuer toutes ces transformations. Rien que sur le site de Tsingtao, 500 robots ont été installés depuis 2015. Conséquence, sur les 8000 postes que comptait l'usine, 3000 ont été supprimés. Et l'entreprise compte aller encore plus loin. Sur ce site actuellement, la production est automatisée à 40%. Dans les 2 ou 3 ans à venir, nous espérons arriver à 60%. Plus de 60%, cela signifie 200 à 300 robots en plus. La vague des licenciements ne fait donc que commencer. Et ISENCE n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres. À l'origine de ces bouleversements, les mouvements sociaux. Entre 2012 et 2017, les ONG en ont comptabilisé des milliers en Chine. Chacun de ces points rouges représente une grève ou une manifestation d'ouvriers, une nouveauté dans le pays et un traumatisme pour le pouvoir central, obligé de composer avec cette nouvelle grogne. Alors les autorités chinoises ont réagi en misant sur l'automatisation. Comment éviter des mouvements de colère de la part de ces millions d'ouvriers ou même des cols blancs remplacés par la robotique et l'intelligence artificielle? À cette question, la même réponse chez tous nos interlocuteurs. Il faudra les former. Mais les former à quoi? Voilà une question fondamentale. Si vous deviez encourager vos enfants à développer des compétences dans le numérique, la communication, ou encore le travail d'équipe, lesquels devriez-vous choisir? Honnêtement, je ne pense pas que nous connaissions la réponse aujourd'hui. Le problème, c'est que nous ne savons pas ce qui sera le plus complémentaire avec les nouvelles technologies dans le futur. Si nous ne faisons rien, si nous gardons nos institutions, nos systèmes sociaux et éducatifs tels qu'ils sont aujourd'hui, les robots et les intelligences artificielles vont se répandre. Et là, nous aurons un problème. Car si nous n'évoluons pas, de plus en plus de gens vont perdre leur emploi, être au chômage et en colère. Et les gens en colère, comme on l'a vu à travers l'Europe et aux États-Unis, se mettent à voter pour des extrémistes, des personnes qui promettent de renverser le système. Alors les robots ont-ils définitivement gagné la partie? Avons-nous atteint un point de non-retour? Si quelque chose devait mal tourner, pour toute réclamation, vous pourrez toujours contacter Amélia. On vous emmène maintenant dans un pays au bord du chaos, 2500% d'inflation, une économie qui s'effondre, une population qui souffre, pénurie de nourriture, de médicaments, les magasins, les poches et les ventres se vident. Et pourtant, le Venezuela était il y a peu le pays le plus riche d'Amérique latine. Alors bien sûr, la contestation gronde, mais le président Maduro, l'héritier d'Hugo Chavez, reste inflexible face aux opposants. Arrestation arbitraire, soupçon de torture, le régime est-il en train de basculer? Même ses plus fidèles soutiens commencent à douter.
Venezuela, naissance d'une dictature, c'est la question posée dans le reportage exceptionnel de François Cardona et Vincent Rimbaud avec Babel Press. Pour les uns, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Pour les autres, une démocratie socialiste qui montre une autre voie possible. Certains disent le régime à bout de souffle, au bord de l'implosion et de la guerre civile. Quelle est la réalité? Que se passe-t-il au Venezuela? Ce matin, dans le centre de Caracas, une immense manifestation est organisée en l'honneur du président Nicolas Maduro. Saluons les travailleurs du Venezuela. Camarades, nous sommes tous frères. Des dizaines de milliers de personnes, sourires aux lèvres, venues soutenir l'héritier politique d'Hugo Chavez. Vive Chavez! Aucune caméra étrangère n'est présente. Nous ne poserons pas de questions pour éviter d'attirer l'attention des membres du service de sécurité. Ils patrouillent à moto, appuyés par des militaires qui se sont glissés au milieu de la foule. Ces militants sont aujourd'hui le visage de la révolution bolivarienne. Vive Chavez et vive Maduro! Vive l'indépendance socialiste et la République bolivarienne! Ce matin, la capitale appartient à ceux que l'on appelle les chavistes et les soutiens du gouvernement. Ils clament leur victoire après plusieurs semaines d'affrontements. Deux camps se sont opposés dans les rues de Caracas. Violemment. Des scènes de guerre civile. Policiers contre protestataires, plus de 120 personnes tuées de part et d'autre. Et des blessés qui se comptent par centaines. Ces manifestants d'opposition dénoncent l'autoritarisme du président Nicolas Maduro qu'ils accusent d'être responsable de la pire crise économique que le pays ait jamais connue. Partout dans Caracas aujourd'hui, des files d'attente pour acheter de la nourriture. Le pays manque de tout, la pénurie est criante et visible. Les pharmacies sont vides, impossible aujourd'hui de trouver des antibiotiques. L'inflation est vertigineuse, elle pourrait dépasser les 2000% cette année selon les projections du FMI. La monnaie, le bolivar, ne vaut plus rien. Voilà ce que représente 50 euros changés au marché noir. À notre arrivée dans la capitale, omniprésent, peint sur tous les murs, le regard de l'ancien président Hugo Chavez. Les militaires quadrillent la ville. Nous allons passer 15 jours dans cette capitale réputée la plus dangereuse au monde. 4000 homicides rien que l'année dernière. Pour rencontrer ceux qui croient encore dans les idéaux de Chavez, ceux qui soutiennent envers et contre tout son héritier, Nicolas Maduro, en immersion avec les irréductibles du régime, mais aussi ceux qui en sont revenus. Ce matin, nous avons rendez-vous dans un quartier des hauteurs de Caracas, El Junquito. Cette petite municipalité est un bastion chaviste, un quartier où jamais la presse ne s'est rendue. Pour y entrer, nous avons obtenu l'accord de cet homme, Grégory. C'est le chef d'un colectivo, une milice populaire pro-gouvernementale. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance. Et à mes hommes aussi, tout le monde ici est bien discipliné dans le quartier. Allez, on y va. Suivez-moi. Cet ancien chauffeur-livreur, père de deux enfants, gère une trentaine d'hommes. S'il a accepté de nous laisser l'accompagner, c'est pour nous montrer comment ils assurent la sécurité du quartier, le maintien de l'ordre, et comment ils vérifient que personne ne porte d'armes. Ici, il a le droit de fouiller n'importe qui. Des contrôles aléatoires alors qu'il n'est pas policier. Montrez-nous ce que vous avez dans vos sacs. Et sortez vos papiers. Vous savez qu'il y a des mecs qui volent là-bas plus haut ? Oui, vous devriez faire gaffe. Ces collectifs de citoyens armés ont été créés à l'initiative du président Maduro pour éradiquer la criminalité qui sévit dans les quartiers pauvres. Ici, sur cette route, il y a énormément de vols, de motos, de téléphones. Les délinquants arrêtent les passants, les braquent avec une arme et volent tout ce qui passe.
Donc nous, on patrouille pour tenter de les prendre en flagrant délit. Après, on avise, soit les mecs se défendent et on fait ce qu'on peut, soit on arrive à les arrêter. Alors on les livre aux autorités compétentes. En fait, vous travaillez main dans la main avec la police. Oui, on se coordonne avec la garde nationale, la police. On est bien organisé. Et on s'entraide. Si on a besoin d'armes, ils nous en prêtent. Ils portent cet insigne du ministère de l'Intérieur pour ne pas être confondus avec les délinquants. Leurs armes sont cachées dans leur sacoche. Les quartiers populaires de Caracas vivent aujourd'hui sous la coupe de ces miliciens. Bon les gars, quand on avance, je veux toujours quelqu'un devant et un autre qui regarde derrière. Pour l'instant, vous ne sortez pas vos armes parce qu'il y a beaucoup de monde dans les rues et je n'aime pas attirer l'attention. Et vous les journalistes, restez bien collés à nous. Chaque conseil municipal a des listes avec les noms de tous les habitants. Grâce à ça, les gens reçoivent de l'aide alimentaire et bénéficient des services sociaux. Les conseils ont des informations sur tout le monde et ils savent qui se comporte mal, qui vole, qui assassine. Alors ils nous passent les renseignements et c'est là que nous intervenons. On procède à l'extraction de la personne en question, on se met en contact avec les autorités pour qu'ils soient présentés à la justice. Le problème, c'est que souvent les criminels résistent, ne veulent pas se faire arrêter et nous, on est obligés de les tuer. S'ils meurent, c'est parce qu'ils s'opposent à nous. Lève les mains. Mets-toi contre le mur et vite. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Allez, écarte les jambes. Tu viens d'où comme ça? Du quartier en bas. Et tu fais quoi ici, là? Tu viens faire quoi? Allez, barrez-vous. En courant. Et tu m'as pas vu, ok? Et toi, mec? Oui, toi. Reste où tu es. Dans ce quartier, tout le monde doit se soumettre à ces contrôles aléatoires. Lève les mains. Et ta chemise. Et vous derrière, là, je veux plus vous voir. Filez. Et personne ne semble s'y opposer. T'as quoi dans tes poches? Mes clés, mon téléphone. Comme s'ils étaient devenus une habitude. T'habites où? Au Panorama. Allez-y, mademoiselle. Allez-y, madame. Ici, on doit tout contrôler. Tous les jeunes qui ont l'air suspects, on vérifie. Pour moi, tout le monde est suspect. Personne n'est innocent. Ces derniers mois, ces milices se sont taillées une sombre réputation. L'opposition a dénoncé leurs exactions durant les manifestations. Vous avez participé aux manifestations en renfort. Exactement. Et on est obligé d'employer la force, encore plus que la garde nationale, et en essayant de n'agresser personne. Mais quand ceux d'en face nous tirent dessus avec des armes, nous sommes obligés de répliquer et nous défendre d'une manière ou d'une autre. Habillés en civil, mêlés à la foule, ces milices ont appuyé les forces de l'ordre, provoquant la terreur dans les rangs des manifestants. C'est la face invisible des affrontements qui explique aussi leur violence. Au cocktail Molotov répondent les tirs tendus des forces de l'ordre, des grenades lacrymogènes, des balles en caoutchouc et même les tirs à balles réelles. Depuis, ces groupes de miliciens ont réinvesti les quartiers, prêts à intervenir de nouveau si on leur demande. Grégory et ses hommes sont tous des chavistes de la première heure. Ils apportent aujourd'hui un soutien sans faille au président Maduro. Ça a été compliqué, très compliqué pour Maduro après la mort du commandant Chavez. Parce que beaucoup de monde s'est dressé contre lui. Et il a dû affronter une opposition très puissante qui était bien décidée à le faire tomber.
Moi, j'ai voté dès le début pour Chavez, après le coup d'État. Parce que je voulais un changement dans le pays. Il y avait trop de répression, c'était n'importe quoi. Le commandant a apporté une nouvelle vision, de nouveaux idéaux. Il a fait une révolution en donnant le pouvoir au peuple. Le peuple a conquis un pouvoir qu'il n'avait jamais eu auparavant. Sous Chavez, l'État a largement investi dans des programmes sociaux, de logement, de santé et de transport. Profitant de l'embellie des prix du pétrole dont le pays possède les plus grandes réserves au monde. Hugo Chavez lui-même voulait faire de son pays un exemple de démocratie socialiste pour le monde entier. Nous vivons dans un monde où règne le pessimisme, les forces négatives, les menaces, l'insécurité et la faim. La faim augmente dans le monde, mais au Venezuela, elle diminue. La pauvreté augmente dans le monde, mais au Venezuela, elle diminue. Cela ne me rend pas fier. Cela nous oblige à travailler davantage pour ne pas échouer. 5 ans après cette déclaration, Chavez est mort. Nicolas Maduro lui a succédé. Il doit faire face aujourd'hui, ironie de l'histoire, à une pénurie alimentaire sans précédent. Caracas vit aujourd'hui la faim au ventre, au point que ses habitants fouillent dans les poubelles. Et ce qu'ils ne peuvent dire haut et fort, ils l'écrivent sur les murs de la ville. Maduro assassin. Il faut protester. Il faut se révolter, car on a faim. Depuis l'élection de Nicolas Maduro, les prix du pétrole ont chuté. Le baril, qui se vendait plus de 120 dollars sous Chavez, vaut aujourd'hui 2 fois moins cher. Les caisses sont vides, le Venezuela manque cruellement de devises. Conséquence, le pays qui dépend à plus de 90% des importations n'a plus les moyens d'acheter à l'étranger de quoi nourrir sa population. Avec l'inflation et le marché noir, les prix ont été multipliés par 100. Supermarchés et boucheries ne sont plus approvisionnés. Quand on trouve de la viande, le kilo coûte près d'un salaire minimum, l'équivalent de 1 000 euros en France. Pour les chavistes, tout cela est la faute de la contrebande et des entreprises privées qui ne produisent plus rien. En réponse à ces pénuries, le gouvernement a lancé des distributions de nourriture à prix réduit l'année dernière. Nous sommes restés dans le quartier de Junquito sur les conseils de Grégory pour voir comment s'organisent ces distributions avec d'autres militants. Tous sont membres d'un CLAP, un comité local d'approvisionnement et de production. Ils sont chargés de distribuer un sac par mois, comme celui-ci, aux familles à faible revenu. 10 kilos de produits de première nécessité, vendus 1 euro. Il y a du riz, du lait pour les enfants, des jus, des pâtes. Tous ces produits sont fabriqués au Venezuela. Des produits socialistes. Tout est fait en terre socialiste. Ce sont les produits de base de l'alimentation des Vénézuéliens. Grâce à cela, nous démontrons que nous n'avons pas besoin d'entreprises privées, que le gouvernement vénézuélien peut le faire grâce aux entreprises d'État. Montrez bien les détails des produits. Tout cela ne coûte que 1 euro. L'explication vire à la leçon de propagande. Les aliments sont la fierté du gouvernement. Les étiquettes portent même les articles de la Constitution. Il faut que ce bon travail soit vu partout dans le monde. Que les gens sachent qu'aujourd'hui au Venezuela, il y a la paix. Qu'ils voient qu'il y a une révolution en marche. Ce que l'on veut ici, c'est la patrie. Nous voulons la patrie et la patrie, nous l'avons. Chavez est vivant. Nous vivrons et nous vaincrons. Et vous faites comment pour savoir à qui distribuer les sacs de nourriture? Alors nous donnons le sac, pas seulement aux gens qui sont en faveur du processus révolutionnaire, mais aussi à ceux de l'opposition. Ici, nous croyons à la révolution. Et le processus révolutionnaire soutient le président Nicolas Maduro. Et je remercie sincèrement le gouvernement vénézuélien pour les efforts qu'il fait pour son peuple. Vous venez prendre une photo avec nous? Venezuela, Venezuela. Que viva Maduro. Que viva la revolución. Que viva la constituyente. Que viva. Les milices gèrent l'insécurité.
les comités chavistes, les distributions alimentaires. Tout est bien réglé, en apparence. Car la colère monte et la faim échauffe les esprits. Les distributions sont insuffisantes et trouver à manger chaque jour relève du parcours du combattant. Nous retrouvons Grégory et ses hommes dans le quartier de Junquito. Reculez, reculez. S'il vous plaît, reculez. Une fois que vous avez un numéro, restez bien dans la file. Depuis 6 heures du matin, une centaine de personnes attend pour acheter du pain. Tu as pris un numéro, toi ? On en donne un par personne seulement. C'est la première fois que cette boulangerie est livrée en farine, depuis une semaine. Elle a été pillée à plusieurs reprises ces derniers mois. C'est tous les jours comme cela. Et encore s'il y a de la farine. En ce moment, la production a baissé. Mais on nous a dit qu'elle allait reprendre. Et quand il n'y a pas de pain, franchement, là, c'est vraiment dur. Au moins, les choses s'améliorent progressivement. Parce qu'avant, on pouvait rester 15 jours sans farine. En échange de sa protection, la milice de Grégory touche un pourcentage des ventes. C'est ainsi qu'elle se finance. Et quand on a une famille nombreuse, on fait quoi ? Avec un seul petit sac de pain, je m'en sors pas, moi. Isabelle est femme au foyer. Elle vit avec ses 5 enfants, son mari et ses parents. La situation est chaotique. Je passe mon temps à chercher de la nourriture. On va d'un endroit à un autre sans en trouver suffisamment. Mais comment je fais, moi ? Il n'y a plus de farine, ni de pâtes, ni même de riz. Et si jamais vous en trouvez, c'est hors de prix. Au moins, j'ai réussi aujourd'hui à acheter 8 pains. Et vous gagnez combien par mois ? Mon mari gagne 3 euros par semaine et des tickets d'alimentation. Mais aujourd'hui, on ne peut rien acheter avec. Un paquet de pâtes ou de riz coûte presque 1,50 euros, la moitié de son salaire. Même les supermarchés n'affichent plus les prix. La situation est pourrie. Mais il faut bien s'accrocher. Il y a quelques jours, le gouvernement a décidé de relever le salaire minimum de 40%. Il a décidé aussi une baisse des prix pour les denrées de première nécessité. Malgré tout, même parmi les jeunes miliciens chavistes, certains sont révoltés par cette situation. David a 23 ans. Il a voté Maduro aux dernières élections. C'est terrible. J'ai même vu des enfants pleurer. Il disait « Mais moi aussi, je veux du pain. Moi aussi, je veux manger. » Ce sont des enfants qui attendent dans la file tôt le matin, âgés de 8 ans à peine. Et quand le président Maduro vous explique que tout ça, c'est à cause du sabotage de l'opposition, vous en pensez quoi ? Ah, la guerre économique, écoutez, franchement, personne ici ne fait rien pour améliorer la situation. On arrive bien à produire de la nourriture avec les entreprises d'État. Alors s'ils fabriquent de la farine et qu'ils l'offrent gratuitement à certains, pourquoi tous les magasins ne sont pas approvisionnés ? Dites-moi. Des doutes et des questions, même chez les partisans. Nicolas Maduro, conscient que le discours officiel a de plus en plus de mal à passer, décide d'asseoir encore plus son autorité. En juillet, il fait élire une nouvelle assemblée, l'assemblée constituante, qui lui est totalement acquise. L'opposition boycotte les élections qu'elle qualifie de mascarade. Des soupçons de fraude pèsent sur le scrutin. On peut lire sur les murs de cette nouvelle assemblée. Ici, nous sommes en territoire chaviste. Personne ne doit dire du mal, ni de Chavez, ni de Maduro. Esther Chiaro est l'une de ces députées pro-Maduro. C'est aussi l'une des journalistes de radio les plus populaires du pays. C'est grâce à elle que nous entrons exceptionnellement dans ce lieu, d'habitude fermé aux caméras. Parmi les élus, on croise le fils de Nicolas Maduro, lui aussi député. Et Esther le connaît très bien. Les 545 membres sont tous, sans exception, des chavistes.
le tout premier cercle du pouvoir actuel. Ils sont chargés d'écrire une nouvelle constitution. Premier symbole de cette reprise en main, les médias. Et c'est le dossier d'Esther. Les organes de presse ont été utilisés à plusieurs reprises comme des armes de guerre au Venezuela. Nous ne voulons pas instaurer davantage de contrôles, mais faire en sorte que ces contrôles soient plus précis et que les sanctions soient adaptées aux infractions. Quand on incite à la haine, à la guerre, quand on fait l'apologie de délits contre une partie de la population, on doit appliquer des sanctions très spécifiques. Notre loi est imparfaite et les médias, comme dirait la Bible, ont commis des péchés terribles. Deux radios viennent d'être ce jour-là coupées des ondes par le gouvernement. Officiellement, leur licence arrivait à expiration. Depuis l'année dernière, une quarantaine de médias ont été interdits. Une mise au pas qui ne pose aucun problème à Esther. Elle anime une émission tous les matins dans l'une des principales radios du pays. Et c'est d'ailleurs comme cela que cette mère de famille s'est faite connaître auprès du président Maduro, en portant la voix du régime. Le thème du jour, les manœuvres militaires décidées par le président Maduro en réponse aux sanctions économiques annoncées par les États-Unis à l'encontre du Venezuela. Qu'est-ce qui vous a choqué dans les propos diffusés par les deux radios qui viennent d'être interdites ? Eh bien, par exemple, il y a eu des positions qui étaient clairement favorables à l'entrée de troupes étrangères dans le pays. Tout particulièrement de soldats américains. Certaines sous forme de blagues. Mais comme on dit ici au Venezuela, à trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. Dans notre pays, je pense que c'est inacceptable. On peut toujours donner son opinion, mais pas inciter directement à ce que des troupes étrangères interviennent dans notre pays. Sans état d'âme, elle restreint chaque jour un peu plus la liberté d'expression. L'Assemblée constituante accuse tous ceux qui ont soutenu les récentes sanctions américaines d'être des traîtres à la patrie. Les nuits à Caracas sont devenues dangereuses pour les voix discordantes. En août dernier, le maire de Caracas est arrêté en pleine nuit et en pyjama par les services secrets bolivariens. Ils sont en train d'enlever les Ledesma. C'est une dictature. Pour avoir autorisé les manifestations, Antonio Ledesma, 62 ans, a été assigné à résidence. Il a réussi à fuir le pays, direction l'Espagne. Autre figure, Leopoldo López, le leader du principal parti de droite, condamné lui à 13 ans de prison. Sa femme, Liliane Tintori, s'est vue récemment interdire sa sortie du Venezuela. Cette répression systématique de l'opposition choque même aujourd'hui certains chavistes historiques. Un homme qui a été au cœur du pouvoir a accepté de nous rencontrer dans un immeuble discret de la capitale. Sa famille est à l'abri à une heure de Caracas, car depuis 6 mois, il est menacé d'arrestation. C'est un général à la retraite. Un dissident, Cliver Alcala. Il a été l'un des compagnons de route d'Hugo Chavez. Le président Maduro le considère maintenant comme un traître. À 56 ans, je ne peux pas y échapper, il me faut mes lunettes. Ce journal roule pour le gouvernement. Celui-ci aussi. Et celui-ci. Le seul journal d'opposition, titre « La Constitution est bafouée ». Et c'est vrai, nous n'avons plus de Constitution. Elle est totalement bafouée. Ce militaire de carrière connaissait Hugo Chavez depuis les années 70. Une longue amitié qui ne l'empêche pas de critiquer aujourd'hui le président Maduro. Nos prisons sont pleines de Vénézuéliens que l'on a mis là au seul motif qu'ils pensent différemment, qu'ils ont manifesté. Et quelle que soit la manière, le droit de manifester est garanti par notre Constitution. Mais c'est pourtant Hugo Chavez lui-même qui a demandé aux Vénézuéliens de voter pour Maduro. Oui, mais parce que Chavez ne savait pas dans quoi il s'engageait. Il s'est trompé totalement.
Il y a aujourd'hui un recul gigantesque de la démocratie à cause de la mise en place d'un gouvernement extrêmement autoritaire et qui le devient chaque jour un peu plus. Mais ce qui a poussé le général Alcalá à entrer en dissidence, c'est la corruption endémique du régime. Selon les témoignages d'anciens ministres chavistes, entre 100 et 300 milliards de dollars auraient été volés par les proches du pouvoir ces 15 dernières années. Il est certain que la corruption a toujours existé au Venezuela. Elle n'a pas été créée par ce gouvernement. Cela fait longtemps qu'elle se pratique ici. Mais l'ampleur que cela a pris ces 4 dernières années, c'est brutal. Et parler de cela, ce que je fais ouvertement, c'est prendre un risque pour sa vie dans ce pays. Tout indique que nous vivons dans une dictature, et c'est de pire en pire, chaque jour. Et ça ne vous fait pas peur de parler comme ça? J'ai fait ça toute ma vie. Et vous voulez que je change maintenant que je suis vieux? C'est comme ça que je parle à Chavez, et on se respectait mutuellement. Des figures historiques qui se désolidarisent et des proches du régime qui quittent même le navire. Comme l'ex-procureur général Luisa Ortega, qui a dû fuir le Venezuela après avoir critiqué ouvertement le gouvernement de Nicolas Maduro. Elle aussi était une chaviste convaincue, très proche du président. Ils veulent dissimuler les preuves de la corruption et les violations des droits de l'homme commises dans ce pays. Je vais continuer à les dénoncer. Elle est aujourd'hui réfugiée à l'étranger, mais tous les opposants n'ont pas la chance de pouvoir fuir le pays. Voici le quartier de Los Verdes, une résidence populaire de Caracas favorable à l'opposition. Les habitants vivent dans la peur depuis le mois de juillet dernier, parce qu'ils ont ouvertement soutenu les manifestations, policiers, militaires et miliciens ont envahi leur immeuble en représailles. Depuis leur fenêtre, ils ont filmé l'assaut. 14 personnes ont été arrêtées, sans motif, puis relâchées. Nathalie et son amie Christina gèrent la copropriété. Elles ont vu de quoi le régime était capable. Ils sont entrés par là et sont allés jusqu'au bout de ce côté. C'était horrible. Et comment ils sont entrés? Ils ont défoncé les grilles et comme la voie était libre, ceux qui venaient à pied sont passés par là. Ils descendaient les escaliers en criant. Ouvrez les portes, nous allons vous violer, vous tuer. Ouvrez les portes ou on casse tout. Et comme ça, ils obligeaient les gens à tout ouvrir. Comme tous les habitants de l'immeuble, Nathalie vit aujourd'hui dans la peur de leur retour. Une fois que tu es fiché, les problèmes commencent. Cette comptable subit aujourd'hui l'essence même d'une dictature. La crainte, partagée par des milliers de Vénézuéliens, de se faire arrêter du jour au lendemain. Sans raison. Mon frère a déjà quitté le Venezuela à cause de ce gouvernement. Il me dit que je devrais demander l'asile politique. Mais à ce compte-là, tous les Vénézuéliens devraient demander l'asile politique. Combien sont déjà partis? Parce que nous n'avons plus d'avenir ici. Plus de 3 millions de Vénézuéliens auraient déjà quitté le pays. 10% de la population. Par peur, par nécessité, par choix, victime de la crise et de la répression. Un exil sans précédent. Restent les fidèles comme Grégory, qui s'accrochent encore à l'idéal socialiste d'Hugo Chavez. 4 années après sa mort, le commandant veille toujours. Mais il laisse derrière lui un pays plus que jamais divisé.
Et ce soir, nous voulons dédier cette émission à notre confrère et ami Gilles Jacquier, grand reporter à Envoyé spécial. Gilles est mort il y a tout juste 6 ans, alors qu'il était en tournage à Homs, en Syrie. Nous ne l'oublions pas. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. Dans un instant, la soirée de l'info se poursuit avec L'Angle Écho et François Langlais. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci. Bonsoir.